Et c'est pourquoi quand je suis en train de prier pour elle, l'esprit de prophète est en train de me dire ceci, que cette soeur a toi de sa délivrance avec cet esprit de mari de lui parce qu'il est des amis. Je vois une femme en train de se déguiser par un homme. Je vois une femme et on a dit déguisé la comme un homme en train de passer avec lui l'amour ou de faire avec elle l'amour. Et quand je parle là, tu es en train de me dire, c'est cet esprit qui est en train de la faire retarder dans son mariage. C'est pourquoi, en ma qualité d'un prophète, en tant que mandaté de Dieu, que Dieu a envoyé devant vous, je suis dans le monde de ces esprits, en fait de libérer, de chasser cet esprit de mari de lui, qui est totalement dans sa vie. J'entends à cet esprit, en ma qualité d'un prophète, là où tu es, tu as tes oreilles, tu es en train de m'écouter. Je te donne. Il est que tu as même sur son corps. Commence à lever. 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 L'esprit de Marie de lui. Esprit à 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 Marie de lui. Ces esprits qu'on peut dire ceci. Laisse-nous maintenant partir. Parce que réellement, tu nous as tourmenté. Réellement, tu nous as tourmenté. Laisse-nous maintenant partir. C'est par là que je sens ces esprits en train de pousser des cris. Je les sens spirituellement. Mais vous allez écouter ces cris physiquement. Oui, moi, je les sens spirituellement. Je les sens en esprit parce que je suis dans le monde des esprits. Mais vous allez écouter les cris de ces esprits physiquement. Je vous ordonne maintenant, comme vous m'avez supplié, de vous